Salut tout le monde, c'est Elliot et aujourd'hui on se retrouve encore une fois pour une nouvelle ouverture de cartes de hockey. Aujourd'hui, on a encore une fois une ouverture de 10 paquets random de cartes. C'est vraiment ma série favorite à filmer, puis honnêtement, il n'y a pas tant de boîtes qui m'intéressent présentement. On a une autre dizaine de paquets, je pense qu'on est à l'épisode 10 en plus. Donc ça veut dire qu'après cette ouverture-là, on aura ouvert 100 paquets random dans la série. Alors, les paquets d'aujourd'hui. On a OPG Hobby de 2020-21, un paquet retail de Allure de 2019-20, deux paquets retail de C1 de 2017-18, un paquet retail de C1 de 19-20, un paquet Hobby de Upper Deck C1 de 2000-2001, ensuite deux paquets Hobby de 2021 série 2, un paquet Hobby de 18-19 série 2, et finalement un paquet de SP Authentic 2011-2012. On commence avec un paquet que j'ai jamais ouvert. En fait, c'est la première fois que j'ouvre du MVP de cette année, du OPG de cette année, pardon. Donc, on va y aller. Et voilà. Ça, par contre, j'en avais entendu parler. Les paquets sont chiants à ouvrir. Mais voilà. Donc, voilà. Feeling carton. Les cartes sont vraiment toutes courbées. C'est dommage, mais on peut rien y faire. On va aller voir ce qu'on a. On commence avec Olivier Bjorkstrand, Evgeny Dadonov, Panarin, Josh Archibald, Tyler Seguin, OPG, Tall Boys, qui s'appelle. Fait que voilà. C'est quand même nice comme carte. Ensuite, Nick Jensen, Rétro. Nice, Nick Suzuki bleu. C'est pas sa recrue, mais c'est le fun pareil. Ensuite, Provorov, Tristan Jarry, puis Mark Giordano. Donc, un premier paquet, voilà. Je m'attendais pas à grand-chose, fait que c'est pas mal ça qu'on a eu. Hein. Ensuite, Allure de Retail. Donc, un paquet que j'ai ramassé simplement parce que je suis un grand fan du design de base. Fait qu'on va aller voir ce qu'on peut trouver. On a Erik Karlsson, Sergei Bobrovsky, Cody Glass, recrue. Philippe Zadina, recrue, Pink Variation. Nice! Cale Makar, recrue. Puis Matt Barzal. Donc voilà, alors c'est toujours le fun, il y a beaucoup de recrues. Fait que, voilà, chanceux pour pogner Makar, même si ça vaut pas grand-chose. Donc on enchaîne avec nos deux paquets de C1, 17, 18, Retail. Toujours jamais eu de Pierre-Luc Dubois, de Brinkat ou de Brock Besser. Fait qu'on va espérer avoir un de ces trois-là encore. Donc Palat, Demers, Sven Berchi, Jakob Chychrun et... Oups. Oups, bon. Lettonen... Avec Martinez, Pavel Zaka, puis Zach Werenski. Fait qu'un paquet de base. On y va avec le deuxième. C'est le fun d'avoir une Young Guns dans celui-ci. Donc on a Andrei Sequeira, Spurgeon, Andy Green. Oh nice! Nico Hischier, Young Guns. Et voilà. Riley Sheehan, Cam Ward, Kaly Hancock, puis Leo Komarov. Donc Nico Hischier, Young Guns. Je vais pas le mettre dans une sleeve et t'uploader maintenant parce que ça va prendre trop long. Mais très nice, je pense que c'est la troisième fois que je le pogne, mais j'ai déjà vendu mes deux premières, fait que je vais garder celle-là, peut-être. Ensuite, on a 19-20 Retail Senior. Donc, évidemment, on cherche les frères Hughes, Dominic Kubalik, Victor Olofsson, Cody Glass, Adam Fox. Fait qu'on va aller voir ce qu'on trouve. Donc, Bo Horvat, Chiasson, Samuel Girard, Ryan O'Reilly, et est-ce qu'on a une Young Guns? Oui! Come on, come on, come on! 85, c'est-tu Vitaly Abramov, ça? Ouais, Vitaly Abramov, Young Guns. Bon. Hyman, Brendan Saad, puis Nino Niederreiter. Donc voilà, Vitaly Abramov, Young Guns. C'est pas un excellent nom, mais il se débrouille très bien dans la Ligue américaine. Fait que... On va voir ce que l'avenir lui réserve. Maintenant, de 2000-2001, série 1. Donc une série qui contient notamment les Young Guns de Danny Heatley, Marian Gaborik et Michael Ryder. J'ai regardé la checklist il y a longtemps. Mais c'est les trois seuls dont je me rappelle. Fait qu'on va aller voir si on peut trouver quoi que ce soit en fait. Ok, fait qu'on a Brian Savage, Ron Francis, Steve Ruchin, non, c'est Mike Sullivan lui, Alex Mogilny avec les Devils, ok, Ethan Moreau, Kenny Johnson. Ivan Novoseltsev, Aaron Miller, puis oh, c'est Skilled Stars de Matt Sundin. Ok. Désolé, j'ai l'avant un peu enroué. Donc voilà. Fait qu'il nous reste 4 paquets quand même. Je pensais qu'il nous en restait moins, mais bon.
Donc, c'est nos deux paquets de série 1, série 2 hobby de cette année. J'espère avoir Tim Stutzle dans ces paquets. Est-ce qu'on a une Young Guns ici? Je pense pas. On va aller voir quand même. Brandon Smith, Radek Faxa, Coolamin, Carey Price et Portraits de Nick Robertson pour les Maple Leafs. Ensuite, Lainey, Cody Glass et Mark Giordano. Donc voilà. Deuxième paquet. Ok, voilà. Je pense qu'on a une autre Portrait, peut-être. Je sais pas. Sundqvist, Tyler Bozak, Ben Hutton, Jerry McCann. Non, Marquis Rookies de Emil Larmy. Shit. Voilà. Burakovsky, Anderson, puis Jamie Benn. Donc, deux paquets moyens. C'est pas bien grave. Il nous en reste deux encore. Donc, 18-19, c'est le lobby. On cherche toujours Carter Hart, Andrei Svechnikov, Brady Tkachuk, Ivan. Ilya Samsonov, my bad. Puis, Drake. Désolé encore. Drake Batherson qui a monté récemment. Puis, Robert Thomas aussi, ce serait pas pire. Fait que... Donc, on a Justin Braun, Drew Doughty, Jack Johnson et. Oups, William Karlsson, je pense que j'ai vu une Young Guns derrière. Oui. Je pense que c'est Max Lajoie, ça. Oups, 79. Non, ah non, c'est Batherson. Bon, ben nice, Drake Batherson, Young Guns, et voilà. Ensuite, on a Ian Cole, Calvin DeHaan, puis TJ Oshie. Donc, une deuxième bonne Young Guns dans ce break. Très le fun à pogner. Et on finit ça avec 2011-2012, SP Authentique. Donc, Nugent Hopkins, Mark Scheifele, Sean Couturier, Mika Zibanejad et Gabriel Landeskog, c'est les cinq noms qu'on veut trouver. Sinon, Roman y a aussi la version non autographiée de sa Future Watch se trouve aussi dans ce produit. Fait que pourquoi pas? On va les voir. Ok, donc Piqué, shit, Derek Brassard, Jeff Skinner, Brett Hull, légende. Très gros decoy. Puis Dwayne Rollison. Bon, quand même une bonne ouverture finalement. J'ai juste gardé les Young Guns, mais c'est quand même trois bons noms. Oups, puis ça, on s'en fout un peu. Fait que Batherson, Vitaly Abramov, puis Nico Hischier. C'est pas décevant pantoute comme break. Fait que c'est ça qui conclut la vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'ai d'autres ouvertures qui s'en viennent très bientôt. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, c'est rare que je le plug, mais voilà, @eliotv.hockeycards. Sinon, le lien va être dans la description aussi. Comme j'ai dit, d'autres ouvertures très bientôt. D'ici là, passez une belle semaine et on se revoit la prochaine fois. Bye!